Alors, si vous pensiez que votre boss était un... Alors, en voici un qui vous aidera à oublier le vôtre. Effectivement, votre patron n'est pas le manager du restaurant italien Rosebud. Et vous n'êtes pas Jonathan Larson. Larson est un chauffeur-livreur âgé de 19 ans pour un restaurant italien dans la banlieue de Chicago, à Naperville. Tout du moins, il l'était, puisque lorsque Larson a expliqué à son patron qu'il devait prendre des jours de congé afin de subir une opération pour traiter un cancer, celui-ci l'a renvoyé. Larson a été diagnostiqué avec un cancer rare et agressif appelé la multifocale ependymome myxopapillaire, ce qui est une tumeur cérébrale qui attaque le cerveau et la colonne vertébrale. Ayant déjà subi plusieurs séries de radiothérapies, les os de Larson se sont affaiblis et une chirurgie vertébrale était nécessaire. Le temps pour l'opération et la récupération signifie que Larson avait besoin de prendre 6 semaines de congé impayé. Quand il a expliqué ceci à son patron, le gérant lui a expliqué qu'en quelques coups de fil et en moins d'une heure, il aurait retrouvé un remplacement et que donc il pouvait prendre tous les jours de congé qu'il voulait. De nombreux internautes ont fait savoir leur mécontentement face à la manière dont le jeune avait été traité. Après une longue campagne de mauvaise publicité sur le restaurant, le gérant a fini par promettre à Larson qu'il pourra récupérer son poste après son opération.